face à tout de suite à l'hymne national du Rwanda, Rwanda 6. Les deux équipes vont croiser les fers, le Burkina Faso et le Rwanda. C'est la grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, moins de 17 ans, qui se déroule depuis Kigali. La compétition qui a commencé le 8 janvier et qui se clôture aujourd'hui, samedi 22 janvier. Nous allons donc assister à le numéro 8 Bayssen Djenneri, le numéro 11 Mubumbyi Barnabé, le numéro 14 Rutanga Eric, le numéro 16 Wimana Emmanuel et le numéro 17 Mugabo Innocent. L'entraîneur du Burkina Faso c'est Rui Vieira, tandis que l'entraîneur du Rwanda c'est Tardi Richard. Les arbitres, il y a l'arbitre central Martins de Calvaro Herder en provenance de l'Angola. Il y a le premier assistant Champi Timofat du Malawi, le deuxième assistant Mehmed Nasser Aldin du joue avec Michel qui passe à Eric pour Boutera qui lance Moïsigué. Ah, coup franc. Coup franc sur cette faute commise par Banaba. Carton jaune pour Banaba. Banaba qui a gêné Moïsigué Tibingana, qui s'était déjà introduit dans la surface de réparation pour chercher l'ouverture de la marque. Et voici donc le premier carton jaune de cette rencontre, soumis par Banaba Romaric. C'est un coup franc du Rwanda qui, à mon avis, va être joué. Coup franc indirect. C'était un bon endroit pour les frappeurs. Surtout, ça serait mieux pour le pied gauche. Corner. Il a placé le ballon dans le vide et c'est pourquoi. Attention, Tibingana Moïsigué qui centre. Corner. Quatrième corner du Rwanda. C'est le quatrième corner du Rwanda. Sur le ballon sorti par le capitaine. À Boutera Andrew. Un coup franc donc pour le Rwanda. Faustin qui cherche Tibingana Moïsigué. Attention. On est à la 19e minute de jeu. Long dégagement du gardien Ouédraogo Seni.
Pour chercher Kamanda Bonfils. Attention, Célestin qui monte. Célestin qui centre. Attention, Tibingana Mwesige, il est là. Tibingana. Tibingana qui pénètre. Et voici le but. Non, à côté. Un corner. C'était presque le. Michel Justin n'a pas bien cadré la reprise. Boutera Andrew. Boutera. Boutera. Boutera qui va jouer avec Mwesige qui centre dans les mains du gardien, c'est Wedra Ogoseni. Burkinabé qui monte. Le ballon pour Traoré qui perd le ballon. C'est trop long ballon. Célestin qui joue à Kamanda Bonfils. En prise avec Kanazo et Eric. Eric pour Boutera, pour Mwesige. Mwesige qui joue à Michel. Michel. Poste qui joue un long ballon pour rechercher Tibingana, mais le ballon est sorti. C'est le gardien Wedra Ogoseni qui va dégager cette touche. Rapidement joué. Attention, faute sur Bandé Ismaël, commise par Tibingana Mwesige. Ballon sur capitaine Sanou. 0 but partout. Et on va donc prendre la pause de quelques 15 minutes et puis on revient pour la seconde partie de cette rencontre, de cette grande finale entre le Rwanda et le Burkina Faso. Souvenez-vous que le Burkina Faso a éliminé le Congo sur 4 tirs au but. À la 46e minute de jeu, une faute sur le numéro 3. C'est le numéro 6, Ibrahim. Abolé pour le capitaine Sanou. Sanou, ça laisse un qui brille. Et le ballon connu. Enrique, c'est plutôt Robert, Michel Justin pour Mwesige, et le but, l'égalisation, le Rwanda égalise, l'égalisation du Rwanda ici au Stade National Amahoro, à la 65e minute de jeu, et mis partout. Oui, ils ont continué à pousser, ils ont pensé à cette égalisation. Et voilà, ils l'obtiennent. Un but partout, le match continue. Ça va continuer à chauffer, à chauffer. Avec cet avantage de jouer à domicile, le Rwanda vient de trouver le but de l'égalisation. Attention, les Burkinabés qui montent. Le ballon sorti par Célestin. Une touche pour la sélection du Burkina Faso. Rapidement joué. Et ça va être un dégagement de Faustin. Faustin qui dégage pour chercher les attaquants du Rwanda, mais qui était revenu pour défendre cette montée des Burkinabés qui posait de problèmes là sur le côté droit. Et
attention. Et Burkinabé qui se défend bien. Elite qui sort le ballon. Ili Ibrahim. Faute commise par Mwesi Tilingana. Célestin. En prise avec Kabutera Andrew qui pénètre. Corner. C'était Tilingana Mwesi. Corner pour le Rwanda. Il va être joué par Kamanda Bonfils. Kamanda a un dégagement pour chercher Mugabo Innocent. Il Ibrahim met le ballon en touche. Voici Tilingana Mwesige. Tilingana Mwesige. Attention, Tilingana. La défense de Kinabez qui se dégage. Michel pour Mugabo Innocent. Mugabo Innocent qui dribble le Rwanda. Michel pour Tilingana. Corner. Corner pour le Rwanda. Michel. Revenons sur les demi-finales, notamment celle disputée par la Côte d'Ivoire. Quel sentiment vous avez retenu de ça? Vous êtes ivoirien, donc c'était un peu facile pour moi de vous l'aider. Je savais, je ne suis pas le seul ivoirien. je savais que tu es revenu dessus. C'est vrai que bon, c'est, on dit découragement n'est pas ivoirien, mais un peu déçu par le simple fait que cette équipe a beaucoup de joueurs talentueux. Sauf qu'elle n'a pas su.